Bonjour, c'est Grey Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends dont je n'ai vu son étape. On est avec un Kha'Zix, une Syndra, une Vayne, une Lulu et on joue contre Renekton, Twitch, Zed, Jinx et Lux. Matchup contre un Renekton au top. Ouais, ça me fait. Je pense que c'est à peu près équitable entre nos deux persos. Lui, il a une capacité à poke un peu plus grande que la mienne. Mais ça me fait pas plus peur que ça, on verra bien ce que ça donne. Allez, Zou, hop. Je suis dans un état de tilt un petit peu avancé. Pourquoi? Parce que j'ai fait avant une partie avec Olaf, où j'ai vraiment fait une partie énorme. J'ai fait deux quadruplés, j'ai fait plein de trucs. À chaque fois dans les fights, je faisais du 1v3, je les gagnais, enfin bref. Sauf qu'on a eu deux AFK, donc on jouait en 3v5, et au bout d'un moment, on a quand même fini par perdre à cause de ça, alors que sinon c'était free win. Autant dire que c'est un peu frustrant, et ensuite j'en ai fait une avec Udyr. Et mes alliés sont allés se donner dès le début, comme ça en voulant invade, et on a commencé à 0-4. Voilà, mes alliés sont tous morts, super. Autant dire qu'on s'est fait ruiner parce que c'est un snowball en face. Donc là, je vais essayer de faire une partie qui ressemble à une partie, ça me ferait du bien psychologiquement. Parce que je suis un peu à la limite de ce qu'on peut encaisser en termes de tilt. Voilà, donc je vais essayer de jouer zen, tout va bien sur ma lane. Faire de mon mieux contre le Renek, il faut que je m'entraîne en line, hein, en jungle, je suis pas mal, mais sur la top lane j'ai beaucoup de choses à apprendre encore. Donc je vais faire au mieux, ça va un Renekton. Je préfère jouer contre un Renekton que contre des champions qui peuvent m'éclater à distance, genre une Karma ou ce genre de choses. Et on va essayer de farmer tranquillement, de pas se donner et d'attendre les bons timings pour fight. Avec un Kha'Zix, ça peut donner des choses. Le Twitch en face fait un peu peur, cela dit, c'est typiquement le genre de champion que je peux. Que je peux one shot en fait s'il vient me faire un gank. Mais pour ça il faut que j'ai réussi à me mettre un peu dans la partie quand même. Bien entendu. Hop. On va vraiment se concentrer sur le farm et rien d'autre. Ok, ça s'est raté, je suis un peu déçu. Ok, il joue à la lame à la lame de Doran en face. Alors là, le sbire, je pourrais pas l'avoir. Il joue à l'attaque soutenue, d'accord. Alors si c'est très possible éventuellement que je puisse récupérer le petit sbire au fond là. Ah putain, il a juste pris le shot pour se faire finir. Je vais le laisser push doucement, je vais vraiment jouer maxi safe. Ok, il a le level 2, faut que je fasse attention, il peut me burst. Je vais accepter complètement de me mettre derrière hein, sur le début de game. Je préfère vraiment voilà, me faire un petit peu mettre au fond. Putain, c'est pas vrai. Le coup de buveuse qui part pas. Je suis un peu saoulé. Go 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 là, non? Super. Super, du coup, j'ai même pas profité des quelques creeps que j'aurais pu prendre. J'ai lâché un ghost pour rien. Je pensais qu'on pourrait faire des trucs, malheureusement c'était un peu ambitieux. Mon premier sort dans ma team, c'est pas mal. Je suis un peu deg là qu'il se soit barré en mode tout va bien. J'aurais fallu que peut-être j'engage un tout petit peu plus la fight avant. En vrai, s'il revient, il y a peut-être moyen de faire un truc, hein, mais. Je vais vraiment me concentrer sur la buveuse. Ne pas donner de kill et farmer la buveuse. Hein, c'est vraiment là, je pense qu'à ça. Attention, SS stop. Bon, ça a l'air de fighter un peu au bot. Connectons au level 4. J'ai presque envie de. Ok, c'était pas ouf ça. Ah oh, putain, je savais que j'allais le rater. Je suis un peu saoulé. Ok, normalement là il prend quand même un peu de dégâts. Là j'en ai pris plus que lui malheureusement. Je suis un petit peu déçu. Je vais jamais réussir à la stit. Ok. Il a flashé là, on est d'accord. Hein.
En vrai, il est sympa le Kha'Zix, hein. Il revient, il essaye. Ok, GG. J'ai presque envie de back maintenant, pendant que ça push. Je crois que c'est le moment pour moi de back, même si j'aurais aimé le de tempo un tout petit peu plus. Mais là, le timing... Bon, bah, du coup, je vais prendre la gemme exaltante, c'est pas forcément ce que j'aurais voulu. Mais on s'adapte à ce qu'il y a, hein, tout simplement. Il va falloir une ward quand même, parce que là, je suis très pêche. Là là, oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait notre ami? Faut que je fasse attention là, je vais essayer de me régénérer tranquillement. De jouer un tout petit peu comme ça là, en mode... Okay, il a le level 6. Putain, à 3 fois rien, je suis vraiment une merde, hein. Je sais pas jouer top. Hein. Il a eu level 6 avant moi, du coup je pensais avoir pris un timing correct pour back, bah apparemment c'était de la merde, bon maintenant je suis au fond. Bah, je vais essayer de farm, j'étais bien là, en plus, ouais je m'en sortais pas, il me dominait au farm, mais là j'avais une énorme vague à récupérer, et là je perds l'XP, je perds le farm et je suis au fond. Je suis au fond. Putain, c'est vraiment le timing du level 6 quoi, j'aurais dû l'anticiper et reculer plus, mais... Bon, j'ai une team qui fait des trucs, ça c'est cool. Mais là, moi je suis fini, hein, concrètement. Je pourrais plus jamais lui faire face maintenant. Le pire, c'est que... Au niveau du stuff, il était encore largement devant, quoi, mais... Enfin, j'étais devant, par contre, je voulais dire. Enfin, les dégâts que ça met. Bon, on est sur un Game Over Grifox. Très bien. De forme à 7 minutes, c'est la merde. Qu'est-ce qui se passe avec la Lulu là? Je ne sais pas trop. Je sais pas trop quel est le plan. Pourquoi elle vient? Ça se vénère au bot là ou c'est comment? Le truc c'est que là on va avoir un petit souci sur le farm, non? Enfin sur l'XP surtout. Après ça peut être une manière de jouer. Hein. Je suis ouvert à tout là. Très bien, j'ai un support avec moi. Tout va bien. Putain, le coup de buveuse, quoi. C'était free, là. Juste le mana. Oh, je suis deg. Je suis deg. Là, par contre, il y a peut-être moyen de le choper, notre ami Renek, là, non? Faut que je fasse gaffe, parce qu'en fait, il peut me... Il peut... Ok, bon. C'est un scandale, ce qui se passe au top. Renek, c'est intombable, en fait. C'est inchopable. Je pense qu'on a... C'est pas très très safe hein, ce qui est en train de se passer sur la top lane. Oh, quoique, j'ai un petit biscuit. Ça peut éventuellement donner des choses. 30, ça donne tellement envie d'y aller la Lulu là. On est sur un non-focus de la part du joueur français. Allez, un petit coup de buveuse, elle s'est pliée. Putain, le E qui est pas parti. Oh,
Ah, ça me saoule. C'était tellement close du double kill là. Bon. Presque envie de prendre le raid Trinket en fait. Ce serait bien que les gens se rendent compte qu'il y a un infernal à faire un jour, peut-être. Ça pourrait être un plan. Ça pourrait être un plan de faire un infernal. Je suis tellement au fond avec mon petit Nasus là. Le pire c'est que j'ai des dégâts presque corrects là maintenant. La buveuse... c'était pas du tout ce que je voulais faire pour la ward, c'était dire ça, voilà. Bon, l'infernal est fait, ça c'est une bonne chose, hein. C'est déjà mieux que la plupart des games avec un jungler inexistant. Lui qui veut venir, allez lui, c'était la bienvenue, de toute façon je suis à un stade où il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. On a un abus de confiance de la part de notre ami Renek. MDR ou comment c'est là? Quand même. Oh là là, ça me dose ces champions de merde. Ça me dose. J'ai pas de bot en fait. En vrai, le Nasus Lulu, là, on peut faire des dégâts, mais c'est juste les bots là, qui m'ont mis au fond. J'ai couru après le Renekton pendant une heure. Ce qui m'a empêché d'aller sécuriser Lulu par rapport à Twitch. Un petit peu décevant. Moi, je farm, hein. Le reste, je m'en tape. Go. Je savais que ça allait se passer comme ça. Bien wesh Lulu, t'es une bonne pote. On va la gagner, c'est toujours ça hein, les parties vous trollez. Alors je suis très chaud pour venir mais il faut que je fasse gaffe parce que je peux me faire calmer assez vite quand même. Ah bah oui. Bien wesh. Elle est nice la Lulu en vrai, on est en train de se faire une botlane sur le top, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Je commence à avoir un sale farm sur ma buveuse là. C'est extrêmement stylé ce qui est en train de se passer. Je pense que là, faut qu'on se barre. Eh bah c'est Nasus hein, les 4 kills en 5 minutes, une fois que c'est parti, c'est parti. Ok, on a pareil en face du coup, on a... Il y a les supports qui viennent sur le top, c'est nimp. Je commence à avoir de quoi farm un peu la buveuse. J'ai récupéré un blue buff. Je vais être full Renek en vrai. Go hein, la luxe là.
Mais non! On a un Twitch qui s'en fout. Ok. Ok. Oh, j'ai envie de le dive, mais avec une force. Attends, j'ai un red buff qui a pop aussi. On a maintenant la décari qui vient sur la top lane. Ils vont tous venir les uns après les autres, venir me donner du farm buveuse. J'ai tellement envie d'y aller. J'ai tellement envie d'y aller. Faut faire gaffe au Twitch quand même. Hein, mais... Alors là, je pense que c'est un peu de la merde de courir comme ça dans le mauvais sens. Hop, allez, safe. Oh, j'ai pas la trinité, mais c'est pas loin en vrai. Oh, je vais y rester. le double pseudo back. En fait, je peux me remettre full PV tellement vite, moi. Et là, j'ai l'ulti, j'ai tout. Est-ce que ça ferait pas un... Allez, deuxième infernal. Oh, j'ai une team, ça fait du bien. Cette partie, elle a aucune structure, mais genre, je kiffe beaucoup plus que les deux d'avant, en fait. Elle a vraiment ni queue ni tête. Je pense vraiment, par contre, qu'ils sont en train de faire le héros, là. Bon, je pense qu'ils vont récupérer le Twitch tranquillement, ils vont le cueillir. Bon, il va me falloir que je me mette en mode full de délai pour la buveuse. Genre, ça me touche, là. Me voilà étonné. J'ai envie d'all-in la Jinx. Ce serait peut-être un peu ambitieux quand même, si je peux choper le petit creep là. Est-ce que c'est le moment où on va donner un kill pour un creep? Si je me retourne, je l'éclate. Hein. Mais là, non, je crois qu'il est temps de back pour moi. Ou alors j'attends d'avoir la TP. Pour back sereinement. Ça peut être un plan. En fait, il suffirait qu'elle elle lâche son E, elle est morte. C'est aussi simple que ça. Là, je joue safe tant que j'ai pas la TP, en fait. En vrai, je vais y aller, hein. Ok, là j'ai peur qu'on... Faut vraiment que je back en fait. Ok, la Lux, j'aurais pu la tuer. Non, à deux, là ça fait peut-être un peu beaucoup quand même. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Ce serait vraiment bien que je puisse aller choper le back en fait. Hop. Est-ce que la Lux elle tombe aussi? Non! C'était bien en vrai. Je prends ça. GG Lulu. Meilleur support de top lane que j'ai jamais vu. Maintenant c'est game over hein, pour eux là. Là, j'ai la trinité, j'ai tout. ...45% de délai de récup. On est bon là. On est très bon. On est sur une top lane au top qui est en train de ravager la game, tout simplement. On met des petits coups de buveuse à 970, c'est très bien. Hop. Bon, on va passer les 1000. 500 stacks buveuse à 20 minutes. Ok.
Non, j'ai raté le gros, déception ultime. Ce serait vraiment bien que je chope un petit bleu en fait. Faut pas non plus que j'aille fight à des moments qui sont pas du tout malins. En fait, Renekton, t'es dingue hein. Tu es fou mon ami. Faut pas faire ça contre un Asus à ce stade là. La tour elle tombe direct. Oh, les coups de buveuse, la régène que je prends, c'est génial. Tout ça n'a pas de sens, tout simplement. Est-ce qu'on peut aller... je vais essayer de pas aller me donner quand même, là c'est le moment où il peut y avoir du grid éventuellement. Je vais tranquillement aller, aller farmer. Faut qu'on la finisse proprement, hein. Faut pas qu'il y ait ce moment où les gens se sentent fous et vont donner des kills. Je suis caché, je suis full PV. Oh, j'ai envie d'y aller. J'ai tellement envie d'y aller en vrai. Nasus wake up, Nasus wake up. Je le veux. Genre ça me touche. La hitbox elle est énorme en vrai. J'étais censé ne pas être dedans. Voilà, un petit peu déçu. Je vais avoir un souci de mana en vrai. Ok, la cage est tombée. Oh là là, j'ai pas de mana. J'ai pas de mana. Ça me gave. Bon, je suis pas mort, hein, mais pas de mana. Sinon, là, je faisais le... Je les tuais tous, hein, tout simplement. Je les mangeais les uns après les autres. Mais pas de mana. Décevant. Ce qu'on leur met, ça n'a aucun sens cette partie. Allez, en vrai, go la finir proprement. Hein. On prend les objectifs tranquillement. Quadrat de notre ami. Notre ami Vayne qui fait des petits quadra kills. Mon farm buveuse hein, qui part dans l'espace. On est à 600 de farm. C'est génial. Ça c'est vraiment un truc qui arrive souvent sur LoL, hein. C'est-à-dire que vous jouez bien sur mes parties précédentes où j'étais vraiment sérieux, j'ai fait des bonnes parties, vous perdez. Par contre vous êtes en mode un peu kikou LoL, go, et là d'un coup il se passe des trucs. Pour des raisons un peu mystiques. Et là d'un seul coup il y a une team qui suit et tout va bien. En vrai, go prendre tout ce qu'ils ont. Hein. Allez, safe. On bat qui on termine, hein, là. Allez, c'est pas le moment de... C'est pas le moment de jeter la game. Gonage, moulonage, on pourrait... En vrai, on y va tous, on finit là, hein, mais... On peut faire un nage, c'est marrant, c'est facile à faire, ça ne nous demandera pas grand-chose ici. Qu'est-ce que je prends? Je vais prendre ça. Ouais, je vais pas me casser la tête, hein, de toute façon, pour le stuff à ce stade. Je crois qu'on a tous stocké 4000 gold, on les a éclatés, mais avec une force, là. Alors que la game ressemble à rien, mais je pense qu'en fait, la Lulu qui est venue au top, ça m'a permis de respirer. Et ça m'a permis de reprendre un bon farm. Ouais, je suis Nasus, hein, même si on les éclate, je pense encore à mon farm avant tout. C'est normal, vous inquiétez pas. En vrai, le Nash, on le mange. Hein. Je pense qu'on le mange très vite. Oh, je suis tellement énorme, là. Je mets des coups de buveuse. Je pense que je peux limite faire un pinta, là. Si j'évite les CC. Ils sont tellement en retard en face. Ils sont... Ouais, ils ont des...
Voilà, en termes de level, c'est même pas si flagrant que ça. Ok, je prends le Nash. Mes coups de buveuse doivent être plus balèzes qu'un smite, je pense. On va tester sur le Gromp là. Il a combien? 3000. Ouais, 1200 et quel des coups de buveuse. C'est marrant. Allez, Goend. Goend, cette partie qui n'en est pas une. Oh non, ils vont tous te tuer avant que j'arrive, je suis deg. Je mets le ghost parce que je veux pas qu'ils finissent sans moi en fait. Je veux être là pour la fin. Yes, j'ai fait un truc, j'ai tapé le Nexus. Et c'est moi qui l'achève, parfait. Perfect. Cette partie c'était à la fois génial et scandaleux, j'ai adoré. Bon bah écoutez, je crois qu'il n'y a pas besoin de faire des commentaires pendant une heure sur cette partie, c'était... Il n'y avait pas vraiment de structure, c'était un peu le grand n'importe quoi, mais c'était très drôle et je me suis éclaté, et c'était exactement le genre de partie dont j'avais besoin par rapport au tilt des deux parties précédentes que j'ai faites. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter, je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, mes vidéos sont organisées en playlist thématique sur ma chaîne. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez le lien en description. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt.